Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis sur Ark. Et donc comme vous pouvez le voir dans cet épisode, ça a complètement changé. On a eu quelques petits, soucis et il a fallu réaménager notre base. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons arrivé tellement d'animaux que le problème c'est que le jeu a décidé un petit peu de nous spawn très souvent des raptors alpha. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les raptors alpha, c'est des raptors qui ont une petite fumée rouge derrière eux. Ils sont très très forts et même très durs à battre. Mais il n'a pas que envoyé des raptors alpha, il nous envoie aussi des carnots alpha, beaucoup. Faut savoir qu'on en a à peu près un par jour qui essaye de défoncer, la base. C'est fait exprès, je pense que ça doit être fait exprès, hein. ça doit faire partie du jeu en fait. Une fois que vous avez trop d'animaux, je pense qu'il veut en éliminer quelques-uns le jeu, parce que c'est hallucinant le nombre d'alpha, on va dire, hein, parce qu'il n'y a pas que les raptors alpha, mais le nombre d'alpha qu'on peut trouver. À savoir qu'un raptor, il n'y a que le raptor que je me suis renseigné, mais pas le carnot, mais ça a 6000 points de vie. Donc 6000 points de vie pour le tuer, c'est assez dur. À savoir qu'on a déjà perdu, normalement je vous ai mis un bout de la vidéo, mais on a perdu un carnot, alors qu'il était capable de tuer les T-Rex, mais il n'était pas capable de tuer le raptor. Voilà. Donc c'était pour vous dire à quel point ils sont méchants. Ensuite, on a eu un qui a spawn il n'y a pas longtemps, juste à côté. Il y avait plein d'abonnés qui avaient construit bah, de l'autre côté de la barrière. Sachez qu'ils ont tout démoli, les raptors alpha, parce que en fait, ils voulaient s'attaquer à nous. Et bah, ils se sont pris à ceux qui pouvaient. Nous, ils ne pouvaient pas venir, donc bah, ils s'en sont pris à eux. Ils ont tout bouffé, les bêtes, ils ont défoncé la maison. Donc on a réussi à le tuer. Il nous a fallu énormément de temps pour nous organiser à le tuer. Et c'est ça qui a un petit peu foutu la merde. Alors je vais rappeler aux gens, ceux qui veulent venir en fait sur Ark, sur le serveur, faut savoir que nous on vous aidera tout le temps. D'ailleurs on a aidé à reconstruire, hein, ils pourront le dire, mais on a aidé à reconstruire toutes les maisons qui ont été détruites. On a donné plus de 1000 bois pour essayer de reconstruire les maisons. Mais à savoir que si vous vous faites attaquer, s'il vous plaît, n'entrez pas dans notre base pour essayer qu'on vous défende, surtout par des alphas. Parce que l'alpha, nous, même le T-Rex qu'on a là, ne peut pas avoir encore l'alpha. Donc on peut pas l'avoir. Donc le seul moyen de les avoir, c'est tout simplement de les faire bugger dans un mur. Admettons l'alpha se trouve en dessous, nous on se trouve au-dessus et on arrive à le tuer, sinon on n'arrive pas. Donc évitez de venir chez nous. Donc là c'est comme là, c'est un gars, il dort ici. Maintenant je vais vous montrer un autre truc, je sais pas s'il est venu chercher, non regardez. Les abonnés, vous êtes mignons, mais posez vos animaux chez nous, c'est vraiment pas cool. Voilà, donc le mec il a posé ses bêtes ici. Donc dans 6 jours s'il se connecte pas, j'aurai juste qu'à appuyer sur E et la bête sera à moi. Voilà, donc on n'est pas des salauds parce que au début on y a pensé. Je vais vous dire, on aurait pu construire une fondation, une autre fondation, mettre des murs et dans 7 jours la bête était à nous et puis on cassait les fondations. Voilà, et lui il pouvait plus la récupérer. Donc pour l'instant elle est là. On va attendre qu'il vienne se présenter et qu'il vienne en fait tout simplement récupérer sa bête. A savoir que son oiseau est là-bas aussi. Hein. Parce que au début on avait été obligé. Il passait par l'eau, tout simplement. Mais maintenant, j'ai fermé l'eau, je vais vous montrer tout ça. Hein. Je vais vous montrer un petit peu parce que là, c'est un petit peu le but de la vidéo redécouverte de la base. Parce que c'est vraiment une redécouverte. Un petit peu, je vais vous montrer vite fait les animaux. Je passerai les animaux au détail, au peigne fin, ça veut dire que j'en ferai un par un. A savoir qu'on a dû mettre une nouvelle porte, hein, parce que le mammouth ne passe pas les petites portes, donc il faut une grande porte. Le T-Rex, lui, il s'en fout, il passe par-dessus les murs. Non, sans déconner, il passe par-dessus les murs, à part quand ils sont à 3 ou 2 de haut, il a un peu de mal, mais sinon un de haut, il s'en fout. Donc cette énorme porte pour pouvoir passer. Alors je l'appelle le breton, hein. Hein, même si c'est un bon taux, moi je l'appelle le breton. Parce que voilà, il est marrant, voilà, il est là. Je vais vous en expliquer comment on l'a eu. Parce que tout simplement, celui-là, on l'a pas tard. Hein. On l'a eu comme ça avec la selle. Ici, on a fabriqué des box. Voilà, on a fabriqué des box. Et on a mis nos animaux dedans. Voilà, comme ça, ils sont à l'abri. Ils sont carrément même à l'abri. Donc, il y en a quelques-uns qui sont sortis, donc vous les verrez pas. Hop. Donc... vous avez l'ankylo, lui, j'en ai déjà parlé vite fait. L'ankylo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit peu de pierre, pas de cailloux, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Beaucoup de flint, et par contre, il fait... mince, l'acier. Voilà.
Donc vraiment génial. Ensuite, on a trois Carnot. Donc comme vous pouvez le voir, celui-là on l'a pas Tam. Hein. Regardez, c'est marqué Tam par Dragon Lore. Tout simplement, on a trouvé une base complètement abandonnée avec des animaux complètement affamés. Donc quand vous regardez la jauge de nourriture qui se trouve hop, ici, elle était à la limite en fait à sec. Donc je sais pas après si l'animal peut mourir quand il est à zéro, mais en tout cas nous ce qu'on a fait, on a appuyé sur eux et on leur a donné à manger et on les a récupérés. Donc tout simplement il y a quelques bêtes que vous allez voir que c'est pas nous qui avons Tam. Par contre il est où le mien? Rocky 2, comme vous pouvez le voir, normalement ça doit être marqué, si je le regarde normalement ça doit être marqué Tribu of Jouan. Non, c'est pas celui-là, ça c'est Rocky 3. Bah alors, Rocky 2, Rocky 3, il est où le nôtre? Le nôtre est sorti, d'accord, le nôtre est sorti. Ouais, il faut vraiment que je change les noms, hein, parce que Rocky 2, Rocky 3 et Adrienne. Rocky 2, je pense à mon Rocky 2 à moi, en fait, tout simplement, c'est pour ça. Donc, les trois là viennent de chez eux. Viennent de chez eux, on l'a récupéré. Et celui-là, Dimitri et le Breton. Hein, le Breton, on l'a récupéré chez eux. Ça, c'est Thor qui s'est amusé à Tam, celui-là. Ça m'a fait rire énormément parce qu'on pensait que c'était une bête super costaud. Parce que sur la photo de Steam, on voit qu'il fout des coups de boule au Raptor. Bon, en fin de compte, c'est vraiment pour commencer le jeu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les œufs, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait des coupes. Ça nous intéresse. Ça, vous devez vous poser la question, c'est quoi? Tout simplement, c'est le mangeoir. Voilà, on met la viande, on met les baies. On charge à bloc et ils se nourrissent en fait. Je sais pas si on le voit. Si vous voyez un petit peu au-dessus du cœur, vous avez une sorte. Voilà, on sait que c'est le mangeoir et ils sont branchés au mangeoir. Donc ici, vous avez Billy qui atteint celui-là. Vous avez Maman Ours. Ensuite, ici, on passe un petit peu au côté Scorpion et Lion et Raptor. D'ailleurs, je crois que même. Ils ont plus de viande, elle a pourri. C'est pas grave, les scorpions mangent la viande pourrie, je crois. Je dis pas de conneries. Ensuite, dehors, hop. On a Josette, ça c'est... comment il s'appelle mince, Steph qui l'a fait pour nous. Il a super bien travaillé. Il a des Raymonds aussi, je vais vous montrer, il a une base à côté. L'oiseau à la con. Et, oui, ils viennent des dragons là. Ensuite, on a les Stégos. On a les... Hop là, ça commence à bugger un petit peu. On a les deux mammouths, ils sont partis aussi. Deux énormes mammouths. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc maintenant on a construit la maison ici, tout simplement. Donc la maison, on a essayé de faire simple. On s'est dit, maintenant on a relâché les animaux, je vais vous montrer. Il y a des animaux qui se baladent. Je ne sais pas où ils sont partis. Ah, Marley est là-bas. Ok. Donc on a lâché les 10 lots. En fait on en a 7 ou 8. On les a relâchés et ils sont en mode le premier qui rentre, il est mort. Tout simplement, mais pour les bêtes hein, seulement, hein, parce qu'on est sur un PVE. Donc en dessous ici, ce qu'on a fait, on a fabriqué la forge, tout ce qui est construction avec le fabricator, tout simplement. Ensuite, vous avez, c'est parce que c'est tellement plus simple en fait de venir là avec des bêtes et de décharger. Ensuite ici, on a la cuisine, voilà, on a fait la cuisine avec ces frigos tout simplement. Et on a commencé, je vais vous montrer parce que ça sera le dans une future vidéo, on a commencé les croquettes pour tamer les animaux plus vite. Voilà, donc en fait vous donnez des admettons, au lieu de passer des heures à tamer les animaux avec les croquettes, ça va beaucoup plus vite et franchement ça vaut le coup. Je vous ferai voir ça dans une future vidéo. Donc après ici on s'est amusé, en fait la tour en bois c'est un escalier, voilà tout simplement. Donc on n'a pas fini. Ici vous avez la salle où on va mettre énormément de coffres avec les armes, les flèches, tout ce qui traîne en fait tout simplement. Hop. Et donc au-dessus ce sera un petit peu le clocher avec une tour. Donc d'ailleurs on a dû casser parce que je vous explique, on avait tout fini presque. Hein. Et en fait, quand le Raptor Alpha nous a attaqué, il nous a fallu du bois. Donc, on n'avait plus de bois dans les armoires pour fabriquer des pics. Donc, on a dû mettre des pics et on a dû casser le clocher, en fait, tout simplement pour mettre des pics. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que c'est cassé. Ici, vous avez mon piaf. S'il veut bien de moi. Okay. Hop, il a level. On va lui mettre un petit peu plus de stamina. Un petit peu de poids aussi, parce que des fois, il est un peu juste. Et donc après vous avez l'aigle. Et ici vous avez les animaux qui se baladent avec les dodos. Dilo. Dilo c'est pareil en fait. C'est une bête qu'on a trouvée.
C'est une bête qu'on a trouvée là, abandonnée, carrément juste à côté de notre truc. Je sais même pas qui l'a réalisé d'ailleurs, il faudra que je regarde. Donc voilà, les animaux qui sont abandonnés, vous avez juste qu'à appuyer sur E et vous les récupérez en fait pour vous, hein. Mais il faut, vous verrez bien, de toute façon, si, admettons le voisin d'à côté, je vais juste vous montrer un truc. Le voisin d'à côté, il a des bêtes, je peux pas les prendre, hein. Vous inquiétez pas, on peut pas les chourer, hein. Tout simplement, sauf si le gars se connecte plus sur le serveur. Et eh ben tout part en friche en fait. Voilà, j'ai eu un lag. Tout part en friche. D'ailleurs leur base, hein, quand on a récupéré leur maison, quand on a récupéré leurs animaux, leur base était à sec. Ça veut dire elle tombait en ruine. Il restait plus qu'un pilier qui tenait la baraque. Et d'ailleurs on ira voir un de ces quatre. Vous verrez que le pilier il aura cédé d'ici là parce que voilà. Hop. Je voulais vous montrer quelque chose avec l'oiseau. Je laisse reprendre la stamina, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Hop, tu veux bien monter? Merci. Regardez, vous appuyez sur C. Il n'y a que celui-là qui le fait, hein. Il n'y a pas l'aigle, il ne le fait pas. Il fait des petits loopings, et franchement, c'est sympa. Donc, il fait toujours des loopings dans le même sens. Mais voilà, c'est génial, hein. D'un côté, c'est génial. Donc, ici, il n'y a rien d'intéressant. Normalement, il doit avoir le casseur de briques qui doit être dans le coin. Et le mammouth. Regardez le mammouth, les deux mammouths, ils ont rasé la forêt. Hein. Donc ils sont là qui partent parce que plus que la forêt elle est rasée. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un raptor. Je sais pas où ils sont non plus, j'espère qu'ils sont pas trop dans le coin parce qu'il y a un raptor. Je ne les vois pas. Donc, bonne nouvelle si je les vois pas, c'est que c'est une bonne nouvelle. Ah si. Ok. Je vais aller dire. Là, vous avez le mammouth, mais je vais aller dire à Billy. Hey, Billy! Hey, Billy, il y a un raptor dans le coin, fais gaffe, il est juste là. Tu m'as entendu ou quoi, Billy? Il y a un raptor. Bon, je crois qu'ils m'ont entendu. Non, je crois même pas qu'ils m'ont entendu. On verra bien. En tout cas, de toute façon, ils n'ont pas à avoir peur parce que le mammouth est capable de tuer facilement un carnot. Donc, c'est pas le raptor qui va leur faire peur. Donc, voilà. Donc, vous les avez vus. J'ai pas vu le casseur de briques. Par contre, je sais pas dans quel sens il est parti. Mais peu importe. Donc moi, je suis en train de réaliser mon petit parc aquatique. Donc on va en parler un peu plus. Je vais juste attendre un petit peu que le jour revienne, en fait, tout simplement. Comme ça, je vous ai fait un petit peu la présentation de la base. Vraiment désolé, hein, c'est le temps que ça charge, en fait. Souvent, en fait, quand le serveur redémarre, ça met énormément de temps avant d'avoir les bonnes textures et tout. Donc je suis vraiment désolé. Je vais attendre. Donc tout à l'heure, normalement, ça devrait plus laguer à ce point. Ou alors, je vais baisser un petit peu la qualité, juste pour voir. Et hop, on va se poser ici juste 2 secondes et je vais vous montrer. Ouais, c'est bon. Je vais vous montrer vite fait un petit peu ce qu'on a pu réaliser. Donc depuis la nouvelle mise à jour, on a la possibilité d'avoir le bateau et sur le bateau on peut construire. Donc ce qu'on va faire, on va mettre des coffres et puis on va mettre un frigo. Histoire de vivre dessus et on partira un petit peu en vadrouille en bateau. Voilà, tout simplement. Donc ici on a Tam, alors on a fait ça cette nuit. On s'est occupé d'un mégalodon. Et sinon du dauphin. J'étais en train de finir mes clôtures sous l'eau. Donc si vous voyez que c'est pas de niveau, c'est normal. Parce que sous l'eau, bah, c'est déjà pas de niveau. Donc, juste pour vous montrer, sous l'eau. Voilà, c'est pas de niveau, donc il a fallu après quand on monte les murs, c'est sûr que ça fait pas vraiment classe, ça fait pas très joli. Et bah voilà, donc Flipper, tac, qui est vraiment magnifique. Hein. Regardez, donc il est capable de se battre. Bon, bien sûr, se battre contre un requin, c'est mort. À savoir que les requins viennent pas trop ici, mais ils sont plus à 100 mètres en face de moi en fait, tout simplement. Donc lui il a level, c'est nickel. Assez facile à manier, mais attention, pas de marche arrière, hein, logique. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va lui donner un petit peu de poids. Ouais, parce que tout simplement, des fois je suis chargé, là je suis vide. Donc si j'ai mon armure
Si j'ai mon armure de fer avec moi, c'est mal barré, tout simplement. Donc voilà, je vais me mettre là. Tac. Et vous avez le mégalodon que lui, on est allongé dessus, qui est vraiment, vraiment pour le coup, bah alors rapide comme l'éclair, mais vraiment rapide. Donc on peut pas allumer la lumière. Donc ce que je vais faire, je vais juste te faire une petite ellipse les gens, et on va se retrouver quand le jour va revenir. Donc re tout le monde, donc le jour vient de se lever. Donc ce qu'on va faire, vient de se lever, on va attendre un petit peu pour vous montrer un petit peu sous l'eau avec le mégalodon, et surtout pour vous montrer un petit peu la vitesse un petit peu du mégalodon. Déjà rien que sans stamina, hein, pas besoin d'appuyer sur le start stamina pour que ça dépote, hein, ça dépote déjà direct. Mais alors quand on appuie dessus, c'est vraiment énorme. Donc il y en a qui me posent souvent la question, pourquoi on monte pas tout en vidéo, tout simplement. Qu'on monte pas tout la construction en vidéo, c'est parce que ça risque d'être d'être long sinon toute la construction, et je pense qu'au bout d'un moment ça pourrait même être chiant en fait. Donc c'est pour ça qu'on nous on le fait nous mêmes et après d'ailleurs il me manque une échelle, non? Ah, il me manque 4 morceaux, ouais. Ok. Et après en fait j'ai peur un peu de vous lasser un petit peu, donc j'aime bien vous montrer une fois qu'on a bien avancé, et comme ça ça vous permet de voir un petit peu la construction avancée. Voilà. Donc là on pose tous les piliers, tous les panneaux, tous les machins qu'on doit poser, parce que malheureusement sous l'eau on doit mettre sur 8 ou 9 de haut. Je vais vous montrer ça avec le mégalodon quand on va plonger. Donc voilà, donc on a encore toute la maison à construire encore, je veux dire, mettre une rampe ici parce qu'on peut pas accéder là-bas. On a vraiment plein de choses encore à faire. En bas, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais on a des chambres, voilà, donc des chambres, un lit, une petite torche, une armoire, puis voilà, ça roule, une petite lumière, et voilà, donc hop, merde. Eh, tu veux pas te fermer? Ah merci. Donc là c'est moi, c'est ma chambre, si c'est là, j'ai pris celle-là moi, voilà, avec tout mon bordel, mes flèches, mon C4, tout mon bordel, tous les fusils, en fait je crois que j'ai toutes les armes dans mon armoire, voilà, la grosse merde, c'est moi qui ai toutes les armes. Donc je suis venu chercher quoi? Je suis venu chercher 4 morceaux de bois, hop, il peut bien avoir 4 morceaux de bois, et craft, ça marquait 4, hop. Voilà. En fait on a besoin de poser des chaînes comme ça, parce que vous devez vous poser la question pourquoi je fais ça. Quelqu'un a laissé le feu en haut? Le casseur de pierre est là. Salut Lulu. Bien. Ah celui-là on l'avait tam en live. C'était vraiment génial. On se demande où est le bonhomme, mais voilà. Casseur de pierre, c'est celui-là. D'ailleurs ils ont ajouté un truc avec la mise à jour, c'est que maintenant on peut faire du touch. Avant il faisait que de la pierre, mais vraiment que de la pierre, et là maintenant en fait il fait ok, maintenant aussi il fait ce qu'on appelle le touch et un peu de bois. Hop, je retourne là-bas, je vais poser mon échelle, parce que j'ai essayé en fait de poser l'échelle directement sur le sous l'eau. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à monter dessus, donc je me dis un petit truc comme ça, j'aurais bien si ça fait dégueulasse ou pas. Mais un petit truc comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Parce que vu qu'on tombe pas mal dans l'eau. Hein. Voilà, je vais voir un petit peu si c'est fonctionnel ou pas. Oh là, je l'ai foiré. Ouais, bah c'est pas si fonctionnel que ça. C'est pas si fonctionnel que ça. Hop. Ah d'accord, c'est fonctionnel. Ok, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, c'est le principal, voilà. C'est pas très joli, c'est pas très beau, mais bon, c'est le seul moyen en fait pour qu'on puisse monter, parce que dans l'eau je dis c'est un peu la misère, et surtout bah on va mettre des torches là, ça nous servira un petit peu de phare, et voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais le laisser comme ça. Donc petite technique pour ceux qui ne savent pas, quand vous êtes sur l'échelle et que vous voulez vous arrêter à un étage, hop là, si je foire pas à chaque fois. Voilà. Si admettons je suis là et je veux sauter là, je fais hop espace en allant avec Z vers l'avant, et voilà je tombe directement sur le panneau là. Voilà. Donc je reviens un petit peu juste à la nage. Donc déjà il vous faut faire attention à l'oxygène. Hein. Bien sûr, regardez quand je suis dans l'eau, il y a le petit oxygène. Pour plonger, vous appuyez sur C. Pour remonter, vous appuyez sur espace. Voilà.
Et là, hop, attention, quand vous vous appuyez sur l'espace pour essayer de respirer, ça prend pas mal de stamina. Et on appuie sur C et on redescend. Voilà, tout simplement. Donc regardez un petit peu la hauteur des murs ici. C'est vraiment impressionnant. Mais au moins on est sûr que plus personne ne pourra entrer. Parce que jusqu'à présent c'était notre seul problème en fait d'avoir tout le temps du monde caché sous nos escaliers et tout ça. Vraiment c'était vraiment chiant. Donc là regardez, je suis sans stamina. Hein. C'est vraiment ça roule là. Je me mets en vue comme ça tellement c'est beau. Surtout quand on doit voilà quand on est au-dessus pour bien qu'il reste au-dessus parce qu'on a tendance en fait à plonger c'est avec la souris. Regardez, là je mets de la stamina. C'est vraiment hallucinant. Hein. Ça taille. Donc ici, on arrive ici à la sortie. C'est blindé de requins aussi, bien sûr. Hein, c'est tout à fait normal. Des requins presque aussi forts que les miens. D'ailleurs, en parlant de requins, il y en a un qui arrive sur moi. Donc je n'ai pas tenté le combat. Sauf s'il vient vraiment, je vais tenter le combat. Mais sinon, j'évite le combat. Parce que tout simplement, je sais qu'il est là. Et je vais me le faire. Je vais me le tam, tout simplement. Parce que il me faut une. Si je dis pas de conneries, là c'est une femelle, il me faut un mâle. Donc il vient. Il vient au combat, lui. Bon, bah, écoutez, il vient au combat, tant pis. Ils sont deux? What? Bon. J'étais obligé de me battre les gens. Je vais être obligé de me battre, mais contre deux, ça va être chaud. Je voulais pas me battre hein. Mais voilà. Pas le choix. Ou alors il faut que je les éloigne. Ouais, il faut que je les éloigne de chez moi. Donc à savoir que à quoi servent les animaux marins? Tout simplement à pouvoir chercher les puits de pétrole. Faut que je remonte à la surface. Ouais, moi j'ai encore du truc, mais. Reste de la vie. Je suis pas très chaud pour un combat. Ils se sont barrés de chez moi quoi. Ils sont encore là. Tu peux pas venir m'agresser toi. Laisse-moi passer. J'ai plus de stamina en plus. Ils me disent rien pour l'instant, ça va. Je sais pas pourquoi ils me suivent. Je vais exprès de passer à côté des dauphins, comme ça il va capter les dauphins, il va les bouffer au lieu de m'attaquer moi. Ce sera plus cool. Je suis jamais battu avec lui encore. Ah non, ils veulent la bagarre. Hein. Allez, c'est parti, tant pis. Ouais, contre tout le monde, vous êtes des tarés les mecs. J'ai déjà la moitié de ma vie. Faut que je m'enfuis. Ça lui a niqué pas mal la vie. Hein. Voilà. Bon, il est pas assez fort, hein. Pour autant, il est pas assez fort. On va essayer de manger ça, là, si on peut. Parce que l'autre, il revient, je vois. Hein. Ah, il veut me bouffer, hein. Là, je te vois, toi, ça qui est merde. Ils sont tous les deux hein. Je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'ils ont. J'ai besoin de récupérer de la vie en fait, j'ai besoin de manger en fait. Tout simplement. J'ai pas pensé à lui prendre à manger. C'est faire un dauphin. Thank you.
Voilà, je lui fais de la viande. Voilà, on va aller en plonger. Ces connards sont là. Donc attendez. C'est bon, il a mangé tout seul. Bon allez, on gueule un peu là. Vous cassez les burnes tous les deux là. C'est bon. C'est moi qui vais me faire dégommer. Dans un sale état mon dino, c'est pour ça que j'essaye de me barrer. Sont très forts hein. La vache, je m'attendais pas à ça du tout hein. Je savais que ça allait être dur parce que voilà franchement on vient de l'avoir donc il a pas encore le niveau requis, mais à ce point je ne pensais pas hein. Donc il a de la viande, on va lui remonter sa santé. Faut vraiment que je demande sa santé à Bloc hein. Bon bah l'autre il vient chercher la bagarre encore hein. On peut pas s'en empêcher hein. Pas s'en empêcher hein. Bon bah écoutez et là il me casse les burnes hein, sérieusement hein. Voilà, c'est dommage parce que je savais qu'ils étaient là, je voulais pas les tuer parce que je voulais les garder pour moi. Et finalement, je me retrouve à les buter. Oh, la reprime. Nous, on fait de la viande séchée avec ça. Donc, attendez, le petit poisson aussi, s'il te plaît. Je ne l'ai pas mangé. Merci. Voilà, c'est bon. Allez hop, on rentre. On va voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Je comprends pas le coup des baies dans le ventre. Des pioches, donc... ouais, ok. Et des dents. D'accord, hop, ce qu'on va faire, on va lui augmenter la stamina, parce que j'ai vu qu'il avait un peu de mal avec la stamina, et le prochain coup, je lui en demande la santé. Là, il mange, je vais le forcer à manger celui-là. Voilà. Tout simplement. Hop, bon, faut pas trop se battre encore avec lui, c'est pour ça, à chaque fois qu'on tame une bête, pendant, je sais pas, on va peut-être, pendant les deux premiers jours, on va dire, on se bagarre pas trop avec, on s'attaque à des petites bêtes. Juste le temps qu'il passe un niveau supérieur. Parce que voilà, des fois il suffit qu'on tombe sur je sais pas là. Hop, on est tombé sur celui-là, il a pas beaucoup de vie, il a pas beaucoup de stamina. Et après on en fait des bêtes à tuer en fait, tout simplement. C'est comme nos tigres. Hein. Nos tigres, admettons, on peut toujours pas se battre avec eux. Je vous jure que c'est vrai. S'il y en a un, là ça va. Mais sinon, ils sont pas capables de tuer un cochon. Pour vous dire. Ils sont pas capables de les amocher, alors que le raptor, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal, alors qu'ils sont vraiment très forts, et à la base, normalement. Mais c'est juste que voilà, ils ont tellement monté leur estomac, que voilà, c'est assez dur. Donc normalement, depuis la mise à jour, donc nous, on a énormément de recettes, hein, il suffit d'aller dans les drops et vous allez trouver des recettes. Les recettes permettent, je sais pas moi, admettons, qu'est-ce qu'il y a, avoir plus de santé, avoir plus d'oxygène, voilà, c'est des petites recettes où vous devez ingurgiter les recettes et les fabriquer. Donc pour fabriquer les recettes, je suis plus dans ma maison, donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est comment on fabrique les recettes, il est où le truc là, c'est celui-là hein. Avec celui-là vous mettez, je sais pas moi, vous faut lire la recette. Admettons, pour je vais vous dire à peu près, je crois que c'est ça hein, si je dis pas de conneries, parce que le T-Rex on va s'en faire un ce week-end. J'essaierai de le faire en live si je peux. Ouais, j'essaierai. Donc normalement si on a fait des mâles scorpions et une femelle scorpion pour avoir des œufs, donc c'est des œufs de scorpion avec admettons 3 baies rouges, 4 baies noires, 6 gourdes et je sais plus quoi, de la viande séchée,
Voilà, je vous ai dit à peu près au pif, hein, parce que je m'en rappelle plus. C'est vraiment au pif ce que je viens de dire, c'est pas ça du tout la recette, hein. C'est vraiment, je viens de dire au pif. Et avec cette recette, bah vous allez tam plus vite l'animal. Donc voilà. Donc des recettes comme ça existe. Et il y a une toute nouvelle recette qui est sortie avec la mise à jour qui allait avec le bateau. Ça s'appelle la recette amnésique. Et en fait, elle permet en fait aux joueurs de remettre tous ces stades. D'après ce que j'ai compris, je crois que ça les remet à zéro. Donc ce qui serait pas mal en fait, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais que la recette serve aussi pour les animaux. Parce que quand ils mettent, je sais pas moi, attendez, est-ce qu'on va voir celui-là? Je vais me baisser pour voir. F. Il veut pas. Oui, là c'est bon. Quand on sait que son estomac fait plus de 2000, voilà quoi. C'est vraiment énorme, son estomac n'a pas besoin d'être aussi gros, et donc plutôt de le faire, de le refaire en fait, voilà. De remettre ses stades à zéro et de le refaire, ça pourrait être plutôt sympa. Voilà, donc pour le bateau, j'ai oublié de préciser qu'on peut construire sur le bateau, on est limité, mais on peut construire sur le bateau. Donc là, Morgane nous a fait le bateau tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu dans la vidéo. Et le bateau est maniable comme le comme les animaux, tout simplement. Vous allez ici, vous appuyez sur E, et en fait voilà, le bateau il est maniable, voilà. Comme ça, et vous pouvez construire dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, c'est on va mettre un coffre, on va mettre un frigo, et on ira se balader en bateau, je pense, dans une vidéo. Je pense que c'est ça le mieux, au lieu de construire des trucs, je pense vous procurer plutôt des vidéos où voilà, on parle de la construction, on parle de ce qu'on a trouvé comme truc vraiment génial, et on va faire des balades. Voilà, on va faire des balades. À savoir que maintenant on peut construire sur celui-là aussi. Donc on vous montrera ça quand on va le construire, quand on va construire ce qu'on a envie de construire dessus. Vous allez voir, vous allez être, j'ai envie de dire, épaté. Vous allez avoir les yeux qui brillent et vous allez vouloir la même chose. J'espère qu'on sera pas trop limité, parce qu'on est limité aussi la construction. Donc voilà. Mais pour ce qu'on va faire, normalement, il y a juste 5 ou 6 trucs à mettre. Donc c'est pas énorme. Voilà. Donc écoutez, moi sur ce, moi je trouve qu'on a fait le tour, hein, de tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez rejoindre le serveur, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, évitez de construire en haut là-bas. Je vais vous montrer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a construit, qui a juste posé une fondation au-dessus de chez nous. Et en fait, on est emmerdé, on ne peut plus rien faire au-dessus. Ça veut dire qu'on ne peut plus se protéger au-dessus de la maison. Parce que un jeune homme s'est amusé à mettre, voilà, une fondation ici. Et en fait, la fondation, bah maintenant, dès qu'on essaye de construire en haut, alors qu'on a déjà construit, hein, mais on ne peut plus remonter la clôture. Voilà, tout simplement, on ne peut plus remonter la clôture, ça nous marque qu'on est trop près des ennemis. Ça fait un peu con. Et surtout, bah, la forêt, elle ne repop plus. Donc voilà, elle reste un gros trou. Le problème, c'est quand il y a une plaine comme celle-ci, c'est que bah, les animaux les plus dangereux, bah, ils ont un passage pour eux, tout simplement. Donc en fait, on est un petit peu emmerdé. On est carrément emmerdé. Normalement, si je vais vers là, je vais vous montrer, normalement, si je dis pas de conneries, il est là quelque part, le T-Rex. Le Raptor Alpha est là quelque part. Puisque il nous empêche de venir ici. On peut plus venir ici à cause de ça. Mais surtout à cause de la construction. Là c'est un Raptor normal. Là c'est un... Voilà, il y a un Spino aussi normalement dans le coin. Je sais pas où ils sont. J'allais trop loin, je t'ai revenu ma stamina. Normalement, le Raptor Alpha, il est ici quelque part, mais aujourd'hui, il a décidé de pas venir travailler. Donc voilà, c'est plutôt cool. S'il n'est pas là à nous faire chier, ben, on va pouvoir peut-être monter, je vais voir. Je vais refaire un passage avec l'aigle, parce que l'aigle, il reste en... Il peut se défendre en fait, tout simplement. Je pourrais aller plus bas. Là c'est une maison qu'on a construite à nous aussi. Hein. Tout simplement, on a 4-5 maisons, mais voilà, on a juste posé des lits, des murs, et juste vérifié en fait si on peut spawn. Et on cherchait un T-Rex albinos. C'est pour ça qu'on a des maisons un peu partout. On passe d'un lit à un autre. On se fout à poil, on passe d'un lit à un autre. Et voilà, on peut voir si tout simplement il y a des. Ah bah là, il y a des scorpions qui se battent. Avec une tortue. Bon courage mec. Il n'y a pas de trace du Raptor Alpha, ça c'est franchement, ça c'est bon signe. De toute façon, il a spawn, il est là. Donc
tant qu'il a spawn, je vais dire, il sera tout le temps là. Tant qu'on l'aura pas tué, voilà, il sera là. Donc faut vraiment qu'on se le fait. L'autre jour il y en avait deux, donc on en a tué qu'un. Là celui-là on va vraiment se le faire parce qu'il nous saoule, il nous empêche un petit peu de travailler. Et le Carnot Alpha on va se le faire aussi. Malgré qu'on s'en ait déjà fait quelques-uns. Je vous ai normalement montré les images, je suis pas sûr parce que j'avais pas. C'était pas top la qualité, mais j'ai rec un petit peu comment on les a massacrés. Malheureusement, oui, je sais, c'est de la triche, on les a bloqués, mais on n'avait pas le choix. Hein. On peut pas se battre contre eux, tout simplement. Donc petite vue dessus de ma base. On va faire comme ça avec Lucas. Donc il y a tout qui ne charge pas bien sûr. Et on, hop là, on va se casser la gueule, les gens. Non c'est bon. Donc voilà, un petit peu, voilà, la base, et ça met du temps à charger, hein, tellement il y a deux choses. Et j'ai envie de vous dire, pour le moyen de défense, je vais poser mon oiseau. Voilà. Comme moyen de défense, vous devez vous dire, ah, c'est con, les murs à l'envers et tout ça, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est parce que des fois, quand vous posez une fondation, elle se met à l'envers. Et après, quand vous posez le mur, vous pouvez pas choisir le sens du mur. Donc, comment on va se protéger un petit peu? Comment on va se protéger ici? C'est très simple. Vous voyez la taille du mur, la longueur, et ben on va en faire la même chose. Je vais sauter, j'ai raté. On va faire la même chose, je vais prendre la porte. Un mètre plus loin. Voilà, donc à peu près ici, même ici même. On va faire la même chose, en long, le même mur. Et au milieu, on va mettre des pics. Voilà, comme ça nos animaux à nous ne vont pas se faire piquer par nos propres pics. Voilà. Et en fait il y aura un mur, le dino va vouloir péter, il va péter le mur, derrière il y aura un pic, il va déjà se prendre les pics et ensuite il se prendra les murs. Donc si on est sur le serveur, il n'aura pas le temps de nous attaquer. Donc tout simplement il y aura ça, et après on mettra un truc comme ça, voilà, avec des fondations comme ça. Donc imaginez les pics au milieu de ça, plus ça au-dessus, et comme ça nous on peut marcher au-dessus carrément en plus, et comme ça on aura une rempart en fait tout du long, on aura une rempart avec deux murs pour nous protéger et des pics au milieu. Franchement je plains la bête qui veut venir, et surtout bah on aura ceci, je vais vous montrer un petit peu dans les je ne peux pas vous le montrer, si dans les engrammes points je peux vous le montrer. Tout simplement nous allons mettre ceci un petit peu partout sur la base avec un générateur. Et comme ça, on sera plus emmerdé. Voilà, une tourelle automatique, comme ça, plus emmerdé du tout. Voilà. Donc voilà, on a débloqué, on a le coffre, on l'a pas débloqué, mais on a le coffre, on a les transbordeurs pour savoir où sont nos animaux. On a celle du plésiosaure. C'est vraiment une bête énorme, je vous ferai voir. Ensuite, on a le casque, mais on a les recettes pour tout ce qui est là. On a toutes des recettes de toute façon. D'après Thor, d'après ce qu'il m'a dit, on a toutes les recettes. C'est quoi les recettes? Tout simplement, c'est les mêmes crafts, mais sauf que ils sont améliorés en fait. Ils ont des comment on appelle ça, des, ils sont beaucoup plus forts. Admettons le casque, je crois qu'il fait 180 au lieu de 100 si on fait normal, mais avec la recette on a 180. Je vais vous montrer ce que c'est les recettes parce que moi j'ai la même chose dans mon machin. Donc ici il y en a quelques-unes, juste pour vous montrer. La salle de Fiona, pour vous dire, elle a une... elle est... Non, on va pas prendre la salle de Fiona, on va prendre un truc que j'ai sur moi. Ah, mettons la gourde, non ça dit pas. Parce que ça dit quelque chose. Donc regardez, max durabilité 70, normalement j'en ai un sur moi. Max durabilité 50. Donc vous voyez la recette, si je le construis et la recette, donc je prends la recette, je vais dans l'établi, je construis ça, et ben tout simplement j'aurai quand même 70 au lieu de 50. D'accord? Ensuite on a, je sais pas moi, le fusil. Le fusil, admettons, max durabilité 84. Ou ouais bof, c'est pas top, j'ai pas de fusil sur moi. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Donc voilà les recettes. Recettes médicales. Il y a plein de trucs, hein. Franchement on a vraiment plein de trucs. Ça c'est pour la viande, pour faire la viande séchée. Je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Donc mettons le pic, tiens on va regarder, 75. Le pic 40, regardez, max durabilité 40. Si on le fait avec la recette, 75. Donc voilà, à savoir qu'il y a encore plus, hein. Donc dommage, nous on a 100% et là elle est à 123. Je crois qu'il y en a une à 200 de dommages. À imaginer un coup avec plus d'autres forces. Donc vous voyez on a même les câbles, le casque, tiens mettons le casque, voilà, le casque c'est 100
87. Même mon truc en cuir, mon casque en machin, en, pas mon casque, mais mon armure en fer n'est pas aussi costaud que le que machin. Donc, on a encore des recettes ici, hein. Ah non, il n'est pas ici, il est dans l'autre chambre. Hop. Normalement, si je dis pas de conneries, il doit être là. Elle est là. Donc là, vous avez... Ah, mais ils sont où? Ah, ils sont pas là? Où ils ont mis? Bon, bref, je sais pas où ils ont mis. Je sais qu'il y a encore deux armoires avec... Ah, dans l'autre maison, ils sont restés. D'accord. Ils sont encore dans l'autre maison, hein, c'est pour ça. Donc, juste, on va regarder mon casque, mon crâne. Donc, ça, vous récupérez à chaque fois que vous tuez des alphas. Voilà. Donc, quand on a tué le Carnot Alpha, on a eu ça. Quand on a tué le Raptor Alpha, on a ça. Et quand vous tuez un T-Rex Alpha, vous avez un crâne de Triceratops. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez vraiment toutes les armes. Regardez, là, c'est 100% mon armure en fer. Voilà. Donc, je vous montre juste comme ça. Tenue-là, parce que celle-là sert pour le combat. Et quand on est dans l'eau ou quand on est en montagne, on met plutôt une tenue en chitin. Donc, regardez un petit peu. Là, j'ai trouvé les lunettes dans un raptor. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc, il suffit de les faire glisser sur votre chapeau et elles se mettent en fait tout simplement des lunettes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever cette tenue. Pardon, est-ce que je peux l'enlever? Voilà, je vais mettre mon armure de Iron Man. Attention, ou Robocop. Donc quand les gens me voient à moitié à poil, parce que des fois on a trop chaud avec l'armure ou on a trop froid. Ah, ça y est, t'as perdu ton armure de Robocop? Ouf, je sais pas, c'est Shredder. Je sais pas. Imaginez qui vous voulez. Mais franchement, c'est génial. Donc après, si admettons, je vous montre. Si admettons, je voudrais lui donner un skin à mon casque, je prends le crâne de Raptor et si je le glisse. Non, celui-là il a déjà, c'est pour ça. Celui-là, si je le glisse ici, je n'aurai plus de ferraille, mais bien un crâne. Voilà. Voilà. Le cap. Et voilà, maintenant j'ai le crâne. Bon. L'autre, c'est normal qu'il est déjà comme ça, que j'ai pas pu le mettre, parce que c'est déjà mon autre bonnet en fait. Hop. Donc voilà. Donc après, je crois pas qu'on peut les enlever. Non, ça enlève le machin. D'accord. Ok. Zou, je remets celui-là. Et voilà. Bon, vous voyez un petit peu, vraiment très bien ce jeu. Franchement, on prend énormément de plaisir. La prochaine fois qu'on va se retrouver dans une vidéo, je pense que je serai en compagnie d'abonnés, en fait, tout simplement, parce que je leur ai demandé de venir nous aider à encore aller chercher un petit peu d'acier, à aller se balader. Malheureusement, on prend presque personne dans le groupe. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a une personne, merde, alors l'œuf, voilà. Il y a une personne en fait qui s'est amusée à tuer nos animaux quand on l'a mis dans le groupe en fait. Parce que si vous n'êtes pas dans le groupe, vous pouvez pas tuer nos bêtes puisqu'on est en PvE. Et si vous êtes dans le groupe, vous pouvez tuer nos animaux. Et en fait, il y a une personne qui s'est amusée à tuer nos animaux en fait qu'on a mis dans le groupe. Et ça, je trouve ça vraiment pas cool parce que en sachant que tiens, mettons celui-là, le requin, on a mis 2h30 hier soir. Je sais pas, on prend n'importe quelle bête. Bah d'ailleurs mon Carnot, bon, j'ai mis 5 heures. Le Stego, on a mis plus de 5 heures aussi. C'est vraiment, c'est inadmissible en fait de prendre quelqu'un dans le groupe et qui s'amuse à tuer les animaux. Alors maintenant on fait plus. On évite de prendre les gens en fait. Voilà. Donc la connerie des autres en fait. Ça fout la merde à chaque fois pour les autres. C'est ça qui est dommage parce que voilà, on aurait pu être tous ensemble. Ça aurait fait un truc vraiment génial. Mais après, si c'est pour que moi je me connecte quand je suis pas là, vu que quand je suis au boulot, bah, je suis au boulot. Si je me connecte le soir et que je vois tous mes animaux, bah il n'y en a plus. Parce que quelqu'un les a butés. Bah franchement, c'est vraiment pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool. Parce que au début, le gars, il a commencé à trouver des excuses comme quoi. Comme quoi, en fait, ce serait ça qui serait rentré dans la base. Donc, sachez que s'il y a quelque chose qui rentre dans la base avec ceux-là qui se baladent. Franchement, il y a un problème. Hein. Déjà que il laisse passer les tortues, il laisse passer quelques trucs, mais il y a des bêtes, croyez-moi, quand ils rentrent, quick. Et puis quand vous voyez le nombre qu'on en a, et surtout, j'ai envie de vous montrer un truc avant de vous laisser. C'est juste le dodo, si je pouvais le choper. Vas-y, hop, regardez le dodo.
Ah, moi je suis pas tombé sur un bon, mais il y en a un de dos, il a plus de 1000, il a plus de 1000 de vie. Hein. On leur met que de la vie, ils servent qu'à ça. Et une fois, il y a un stego qui a réussi à rentrer, ça a été la bagarre et le stego. Et ils se sont mis en mode attaque. Franchement, GG quoi. Je vous ferai une vidéo un jour où j'irai avec tous les dodos là en bagarre. Franchement, ça sera trop bien. Donc après, nous, on a un seul problème, c'est qu'il faut trouver les œufs. Hein, comme vous voyez, on se balade et il faut chercher les œufs. Vraiment, c'est horrible. Donc voilà, je vais vous montrer. Les gens se cachent ici. Donc, ils arrivent à passer un petit peu. Quoique, normalement, là, on l'arrête ici. Ouais, c'est bon. Donc avant, ils passaient, ils se mettaient en dessous ici. Ou alors, ils se mettent ici. Et ils se cachent comme ça. Et puis, une fois qu'on n'est plus là, qu'on est déconnecté ou qu'ils entendent plus de bruit, bah, ils viennent nous essayer de rentrer dans les coffres. Malheureusement, ils peuvent pas. On a mis des copines. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est chiant, en fait, de retrouver des gens chez nous. C'est vraiment chiant. Donc ici aussi, hein, belle cachette. Hein, voilà, ils se mettent ici. Hop, et voilà. Ici, allez vérifier le soir avant de partir qu'il y a du monde ici. C'est impossible. Donc voilà. C'est vraiment pas cool. Ne vous amusez pas à venir vous cacher chez nous. C'est vraiment chiant. Parce qu'on serait en PVP, vous serez déjà mort depuis longtemps. Bah du moins je pense. Donc voilà. Sur ce, écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu pour faire le tour de la base. Pour vous montrer un petit peu où on en était, les nouveaux crafts. Que là on va casser l'ancienne maison en pierre qu'on avait et qu'on va faire des énormes box. Que en haut on va casser aussi, mais on va laisser hein, la tour, on va laisser et ça sera un pigeonnier. Je vais vous montrer tout ça. Franchement, on avance plutôt pas mal. Donc là, faut se dire que la construction, elle est encore qu'au début, malgré qu'on ait passé plus de 200 heures de jeu. Mais la construction, elle est au début. Et normalement, je serai en live ce week-end et on va se faire un T-Rex, les gens. Et on va chercher un albinos. Et il faudra que ça soit une femelle. Il faudra que ce soit une femelle pour qu'on puisse avoir des œufs de T-Rex, tout simplement. Il nous faut aussi, normalement, si je dis pas de conneries, je sais plus ce qu'il nous faut, je crois que c'est 2 mégalodons pour avoir des œufs pour pouvoir faire... Non, c'est 2 aigles, il nous faut 2 aigles, tout simplement, l'aigle est là-bas, il nous faut un autre aigle pour avoir des œufs pour pouvoir se faire un spino. Voilà, et quand on aura le spino, ça va vraiment être la fête, parce que là... Là pour l'instant on n'est pas de taille à se battre contre les Raptors Alpha ni les Carnots Alpha. Mais je pense qu'avec un Spino, 2 T-Rex, je pense que là, plus 3 Carnots, d'ici là peut-être on en aura 4. Franchement, il ne faudra pas venir nous casser les burnes. Là c'est moi qui vous le dis, hein. On va devenir des fous. Hein. Bien sûr, avec toute l'équipe, on s'attend à ce qu'on se tape un T-Rex Alpha. C'est sûr, il y en aura un jour qui va venir nous taquiner. Parce que voilà, comme je vous dis, j'ai l'impression que le jeu prend en compte qu'on devient de plus en plus fort. C'est pas de plus en plus fort dans le sens ouais on est balèze sur le jeu, c'est faux. Mais on devient de plus en plus fort parce qu'on a beaucoup d'animaux. Donc le jeu a envie de s'en débarrasser de quelques-uns. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien. Tchuss !